On y est. Amicia, ça va aller, t'es sûre? Oui. C'est seulement... Enfin, c'est bizarre de revenir. Allons-y. Je ne pensais pas revenir ici. Pas aussitôt, en tout cas. On trouve les potions et on s'en va. On rentrera peut-être même avant le lever du soleil. Ça me va. On ne peut pas traverser ici. Ce pont avait au moins un siècle. Tout a l'air complètement ravagé. C'est la fin du vieux monde. Comment tu peux rester aussi calme? Regarde, l'étendard de l'Inquisition. Ils sont encore là? Soyons prudents. Le tronc! Ils ont dû passer par là! Tombe pas, ne tombe pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention, Lucas! Mais... qu'est-ce qui leur prend? Je sais pas, mais ça me donne la chair de poule. Ne restons pas là. Ils ne font même pas attention à nous. C'est peut-être une parade nuptiale. Certains animaux ont des rituels très étranges. Il y a une différence entre étrange et terrifiant, Lucas. Mais pourquoi pas? Ce sont des animaux. Je commence à avoir des doutes là-dessus. Lucas, on s'en occupera plus tard. Viens, il y a forcément une raison. On passe, on dirait. Quand on a fui la maison avec Hugo, quelque chose s'en est pris aux gardes. Je crois que... c'est grâce à eux qu'on s'en est sortis ce jour-là. Je vois. Ça doit être un des premiers lieux d'émergence. Et leur comportement est pour le moins étrange. Ils ne sont pas les bienvenus ici. Je vais leur montrer. C'est chez moi ici. Vous entendez? Chez moi! Encore des rats. Le domaine est droit devant.
Le calame de mer. Elle écrivait ses lettres ici avant de les envoyer par pigeon. Je peux pas le laisser là. Elle y tenait beaucoup. Je crois qu'elle serait touchée que tu le gardes. Ça va me simplifier la vie. Là, une porte. Oh, fermé. Il y a une chaîne de l'autre côté. Attends, la lanterne. Ils devaient l'utiliser pour faire passer leurs troupes. Bonne idée. J'aurai un angle de tir. Tu peux retourner en bas. Dis-moi quand t'es prête. Prête! C'est parti. Tu peux avancer. Tu me lâches pas, hein? Je m'en sortirai pas ici sans toi. Ça marche bien, leur système. J'y suis. N'oublie pas. Merci. Lucas, on n'est pas seul. Oh. Un garde. Il est encore en vie. Quelqu'un, à l'aide, les rats. Toi, dis-moi, combien vous êtes ici? J'ai mal. Je veux pas crever comme ça. Comme ça? Vous avez exécuté ma famille. Tu mérites cette mort. Aie pitié de moi. Pitié? Je t'interdis d'utiliser ce mot. Bon, je peux rien tirer de lui.
Qui? Qui êtes-vous? Je suis la fille de Robert et Béatrice de Rune. Oh non. Oh, pitié. Pitié, je t'en prie. Silence! Je te laisse à ton sort.
tu les tues? Ils sont déjà morts. Oh mon Dieu, est-ce que c'est réel? Ma maison. C'est encore là-bas? Non. Non, par pitié. Amicia, on peut s'arrêter. Trouver un autre chemin. Non. Je dois voir. Est-ce que c'est ton père ? Sauver la vie. On fêtera ça plus tard. Il faut qu'on atteigne la chambre. C'est la fenêtre juste au-dessus. Tu devrais prendre la torche. D'accord. Je vais nous guider. Merci. J'aurais dû l'enterrer, j'aurais dû... Désolée, je suis désolée, Amicia. S'il vous plaît, faites qu'il repose en paix. Cadavre, celui sans armure. C'est un de nos servants. Mais attends. Oui, les gardes ont été dévorés, mais pas lui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je le savais, la brisure. Les remous continuent de se propager dans le temps.
Elle aussi? Oui. Il les évite. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'était à ton père? Oui. Du temps de ses guerres aux côtés du roi Philippe. C'était un grand chevalier. Alors il ne sera pas oublié. On y est. C'est là-haut. Oh, attention! On dirait qu'ils convergent tous ici. Ils vont vers sa chambre. Les potions pour Hugo doivent être là. Lucas, tu as vu ces pots? De simples infusions. Insuffisant. Il doit y en avoir d'autres. Alors, on y est? Oui, c'est la chambre d'Hugo. Allons-y. Là, il y a d'autres pots. Tout est exactement comme avant. C'est pas ça, ça non plus. Oh, non, Lucas, rien à voir. Pourquoi la chambre est restée intacte? Non, 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 c'est pas ce qu'on cherche. Toujours rien? Non, tout ça, ce sont des potions ordinaires. Ta mère devait travailler sur un élixir bien plus complexe. Il y a forcément autre chose, un autre endroit, une autre pièce. Non, ça me dit rien. Un opus magnum, ça ne se fait pas comme ça. Elle a forcément un laboratoire quelque part. Je sais pas, je vois pas où. Laurentius, il avait installé son laboratoire à l'abri des regards. Ta mère, elle aussi, a dû... Elle me disait rien. Je la voyais jamais. Mais justement, il n'y a pas un endroit où elle ne voulait pas que tu ailles. Je sais pas, un endroit qu'elle protégeait. Il y avait les ruines romaines. Elle disait que c'était dangereux. Les ruines romaines? Oui, c'est bien une idée d'alchimiste, ça. Tu sais précisément où c'est? Dans le jardin. Allons-y.
ils s'en vont? Non, ils se rassemblent. Tu veux dire... Chemin à droite! Oui, oui, j'arrive! C'était juste. Avance. Ils peuvent revenir. Amicia, j'ai peur. Je suis là, avec toi. Allez, il faut continuer. Mon Dieu, c'est encore pire que ce que je pensais. Tout est mort. Les thermes, ils sont où? Là-bas, à l'autre bout. On doit traverser ça? Mais... Je sais. On va y arriver. Une fleur. Intacte. Une quinte feuille, je crois. Hugo ne voudrait pas qu'on la laisse là. Prépare-toi à courir. Prêt. C'est bon. C'est pas vrai. Regarde ça. On dirait une rivière. Une rivière de rats. C'est le seul chemin vers les thermes. Attends, le chariot. On allume le feu et on le pousse et... Non. Je l'allume et toi tu le pousses. Hein? Quoi? Moi tout seul? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu crois qu'ils vont nous laisser passer comme ça? D'accord.
Mais prépare des munitions, parce qu'il est hors de question qu'on ait fait tout ça pour rien. Allez, Lucas, on y va. Advienne que pourra. Bon sang. Qu'est-ce que c'est? Lourd. Allez, juste un effort. Juste un effort. J'ai passé ma vie à étudier dans une cave. Le sol vibre. Tu sens? Oui. Oui, ils arrivent. Ne les laisse pas approcher. Écoute, si tu veux que je te passe la fronde... C'est bon. J'ai compris. On regroupe. Je m'en occupe. Vers les terres. Attends, le chariot. On allume le feu et on le pousse et... Non, je l'allume et toi tu le pousses. Hein? Quoi? Moi tout seul? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu crois qu'ils vont nous laisser passer comme ça? Allez, Lucas, on y va. Advienne que pourra. Bon sang. Qu'est-ce que c'est? Lourd. Allez, juste un effort. Juste un effort. J'ai passé ma vie à étudier dans une cave. Le sol vibre. Tu sens? Oui. Oui, ils arrivent. Ne les laisse pas approcher. Écoute, si tu veux que je te passe la fronde... C'est bon. J'ai compris. Au revoir, je m'en occupe. Tout ce que je peux.
réfléchis. Je crois que... Pourquoi, Agatha? Toutes ces... attaques. C'est pas trop le moment, là. C'est parce qu'on est... on est sur la bonne... sur la bonne voie. Oui. Mais il faut encore plus vite jusqu'au bout. On y est, Lucas, on l'a fait. Merci. Merci, Lucas. Tu vois, c'est sacrément costaud. Oui, mais je crois pas que je remarcherai un jour. Allez, je sais pas ce que ma mère cachait là-dessous, mais tu veux pas rater ça, hein? Ouais, ça... Non. Allons-y. C'est là que j'ai vu mourir ma mère. Mais... Arthur a dit qu'elle était en vie, non? Oui. C'est le corps de ce pauvre Lambert. Il a dû prendre le coup à sa place. Elle est encore en vie. Mais... il l'a... Je sais. Mais... pense à ton frère. Il faut qu'on avance. Ces marches, ça me rappelle mon enfance. Tant mieux, parce que on va avoir besoin de tes souvenirs. Ma mère refusait que je vienne ici. Elle disait que c'était dangereux. Dangereux pour elle, sans doute. Tu n'as rien trouvé? Non. Pourtant, j'étais une sacrée fouineuse. Mais on est deux cette fois. Et toi, tu n'es plus une enfant. On va trouver. Lucas, regarde, ça ressemble à la morsure. Une fresque romaine. Ça pourrait être la peste de Justinien. Laurentius m'en a parlé. Un véritable massacre. Pire qu'aujourd'hui? Difficile à dire. C'était au VIe siècle. Lucas, ces termes ont été bâtis par un gouverneur romain au VIe siècle. Cette fresque n'est pas là par hasard. Et nous non plus. Les rats, Amicia. Si tu les coinçais de l'autre côté de la lumière, on serait libre d'agir.
aide-moi à pousser. D'accord. Ça, c'est le Sudatorium. C'est ici que les Romains venaient transpirer. Grâce à de la vapeur, oui, c'était... Oh, regarde, ces sculptures! Quoi? Les animaux alchimiques. Réfraction, purification, amalgamation et sublimation. Et ce symbole dans le bassin, c'est aussi la putréfaction. Ces symboles me fascinaient. Il y en a aussi dans les deux autres bassins. Trois symboles, quatre sculptures, il y a du feu là-tout. Alors, on doit pouvoir éclairer les autres. Il doit y avoir un moyen d'y accéder. Le crapaud, toujours aussi moche. Le cygne, imposant et gracieux. Lucas, une autre fresque. Une femme enceinte. Mais c'est pas tout. Regarde, à côté d'elle. C'est... une sorte d'alambic, non? Une alchimiste? Exact. Le travail de la matière alchimique est souvent comparé à la fécondation. Le creuset ou le four à l'utérus. Ou alors c'est peut-être seulement une alchimiste enceinte? Pas seulement. Ce temple est celui de ta mère. Et le fait que ce soit une femme n'est pas un hasard. C'est un lieu important. Tu dois avoir raison. Là, près du symbole éclairé, les dalles se sont affaissées. Je pense que tu peux passer. Je vais descendre. Reste ici. Entendu. Le lion. Oh, lion, mon chien. J'espère que tu es heureux là où tu es. Serpent, il m'a causé quelques cauchemars, celui-là. Oh, il manquait plus que ça. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Ça grouille. Il y en a partout autour de moi et j'y vois rien. Allez, c'est parti. Je vais essayer de te guider. Et comment tu comptes faire ça? La lumière. J'attends près des bassins. Courage. Oh, je ne te vois plus. Reviens. D'accord. Pas loin d'un symbole. D'accord, j'avance. Tu vois quelque chose? Le symbole est apparu. C'est la sublimation. Il reste encore un symbole. Thank you.
proche de l'autre symbole. Continue. Je fais aussi vite que je peux. La purification. Tous les bâtards vont s'éclairer. Tu peux revenir. Il faut que j'arrive à sortir d'ici. Tu y es prêt. Merci, Lucas. Continue de me parler. Je sais pas. J'aurais jamais cru qu'on survivrait jusqu'ici. Que je me retrouverais là. Laurentius m'a appris le monde à travers les livres. Mais la réalité, c'est autre chose, hein. C'est ça le pire. Même tout ça n'a l'air réel. Tu as révélé la putréfaction, la purification et la sublimation. Crapauds, cygnes, serpents sont exposés à la lumière. Donc notre ami le lion doit cacher quelque chose.
sa gueule, peut-être. Aidez-nous, mère. Vas-y. Tu vas percer son secret, Amicia. Tu l'as mérité. Ici. Ça a l'air immense. Garde tes munitions. Je m'en occupe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des produits de complément, des stabilisateurs, des réactifs, des matériaux nobles largement supérieurs à ce qu'on a vu dans la chambre. On est sur la bonne piste. Bien. Bien. Amicia, ce sont des notes de ta mère. Tenter une nouvelle transformation, mais l'élixir est incomplet. Le flambeau du porteur se dérobe, laissant mon fils dans les ténèbres de la Macula. Elle était sur la voie, Amicia. Ce que l'on cherche est forcément ici. Mais où? À quoi ça ressemble? Là, il y a quelque chose, on dirait. Une autre fresque. Un enfant, dans les bras de sa mère. Mais ces marques sur son torse, Lucas. La Prima Macula. Mais cette fresque a au moins 8 siècles. Pourtant, ça a déjà eu lieu. Oui, mais combien de fois? Qui sait? Sanguinis itinera, les voyages du sang. La Macula voyage à travers l'histoire. Elle a déjà changé le monde et elle le changera de nouveau. Cette boîte porte un phénix, le symbole du grand œuvre alchimique. Amicia, je crois qu'on a trouvé. À toi de l'ouvrir. D'accord. Ma mère savait vraiment utiliser tout ça? C'était une maîtresse alchimiste. Alors, si quelque chose peut sauver Hugo, c'est ici. Trouvons-le. C'est un arbre généalogique? Ouais. On dirait celui de ma famille. Il avait disparu. Le chemin qu'a pris la Macula jusqu'à Hugo se trouve là. Et mère cherchait sans doute à le trouver. Lucas, regarde. Cristallisation avancée, couronne vert bleu, substance claire. Quoi? Lucas! Parfum d'ambre incroyable. Mais dis-moi à la fin, qu'est-ce que c'est? L'élixir pour Hugo. Elle y était presque. Mais elle n'a pas eu le temps de le fuir. Le même élixir que tu... Oui, sans le livre. C'est vraiment incroyable qu'elle ait pu aller aussi loin. Mais alors, on peut peut-être s'en servir?
le livre et mes préparations, je crois... Je crois que je peux même le terminer. En tout cas, tu as l'air bien parti, Maître Lucas. Pourquoi elle m'a rien dit? J'aurais compris. J'aurais pu... Aïe! Amicia, j'aurais fait pareil à sa place. C'était une alchimiste. Et puis, une maman, ça protège ses enfants. Tu crois pas? Oh non, pas maintenant. Comment on va sortir d'ici? T'occupe pas de ça. Termine l'élixir. Je vais les retenir. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi maintenant? Lucas, il faut accélérer. Je lis. Ta mère s'est arrêtée au pas de la porte du soleil. Elle avait trouvé le flambeau, mais pas le moyen de l'allumer. Oh, ça n'a aucun sens. Ce sont des symboles. Elle cherchait un élément manquant, mais le livre dit « Tu videras la coupe pour que l'esprit la remplisse ». Béatrice se trompait. Il ne faut pas ajouter, mais retrancher. Trouve-moi du macérat pendant que je prépare le mélange. Il doit y en avoir ici. Du macérat? Qu'est-ce que c'est? Où je le trouve? La pharmacopée. L'alcôve avec le rideau. M'en occupe. Allez, du calme. Laurentius disait, tempère les battements de ton cœur, car c'est lui qui œuvre à travers tes mains. Alors, tempère-toi. Voyons ça. Lucas, le mécanisme, c'est le même que celui du château d'Ombrage. Je te l'ai dit, ce n'est pas un hasard. Alors, tu as le macérat? Je peux pas y aller, il y a trop de rats autour. Le rideau, c'est là. Il y a trop de peau, Lucas. J'y connais rien, moi. Cherche celui qui pue très fort. Mais ils puent tous. Je suis même pas sûre que mon nez fasse la différence. Ah, ça, ça sent pas bon. Mais ça sent pas si mauvais non plus. Poivre? Menthe? Non, il doit y avoir pire. Bien pire. C'est quoi, ça? Aucune idée, ça sent rien du tout. Pose-le là. Allez, on va réveiller ce phénix. Doucement, arrête de trembler. C'est pas le moment de gaspiller. Ils reviennent! Légère altération de la couleur. Bien. Bien, mais pas assez. T'avais dit que tu devais retrancher. Alors pourquoi tu rajoutes des choses dedans? Faut ajouter pour retrancher. Le bras zéro, Amicia! Tu dois m'ouvrir un passage jusqu'aux alambics! Eh bien, soit, va pour les alambics. Jamais.
Fais pas de bêtises. Je sais ce que je fais. Enfin, je crois. De toute façon, c'est trop tard pour reculer. Fais attention, c'est tout. Alors d'abord, on va faire comme ça. On essaie de chauffer le ventre de cuivre. On essaie de circuler le fond de corps. Allez, allez. Et la vérité s'écoulera de la gueule. Allez, donne-moi ton alcool le plus pur. Voilà, la porte du soleil. Le flambeau du porteur. Amicia, ramène-moi. Tout de suite. Savais. Allez, ne traînons pas ici. Alors, à toi l'honneur. Lucas, tu as réussi. On a réussi. Laurentius serait fier de toi. Je suis fier de toi. En tout cas, c'est une certitude maintenant. Si l'élixir est relié au rat, ça veut dire qu'il y a un lien avec le porteur. Commençons déjà par sauver Hugo. Ils sont là. Notre apprenti alchimiste a fait des merveilles. On a l'élixir. J'ai toujours su que t'étais un bon. Merci. Venez. Allons voir Hugo. Hugo, tu dors pas ? Hé ! On a réussi, regarde, l'élixir. C'est Lucas qui l'a fait. Tiens, vas-y. C'est peut-être un peu amer. C'est pas grave. Bois tout d'un seul coup. C'est bien. Et je vais être guérie maintenant ? Eh ben... En tout cas, tu vas aller beaucoup mieux. Amicia ? Maman, on la verra vraiment plus jamais. Oh, Hugo. Tu sais bien, elle... Elle reviendra pas. Non. Mais elle a pas mal là où elle est. Non, non, bien sûr que non. On va tous dormir maintenant, hein. Et demain, quand tu te réveilleras, ça ira beaucoup mieux, tu verras.